Ça a commencé comme ça. La première pièce du dossier fait état de l'exécution d'une jeune femme à propos de laquelle il est écrit Hélène Picard, née à Lyon le 20 mai 1943, et elle est signalée comme fugueuse, voleuse, instable. 10 octobre 65, elle est surprise près du cadavre mutilé d'une prostituée. 8 janvier 66, Hélène Picard est condamnée à mort. Tous les jours, je trouve des lettres de menaces dans ma boîte aux lettres. De celui qui a dit « Frappez et on vous ouvrira ». Qu'est-ce que vous pensez de la sadique de Pigalle ? Moi je m'en fous, ça concerne pas les étudiants. Et puis les sadiques, j'ai rien contre.